pas mal. Et salut Benji. Et salut Sonia. Comment tu vas? Bien. Très bien, et toi? Impeccable, super. Bon, bah tu me l'as préparé, alors normalement elle était pas censée être propre. Alors figure-toi qu'il a plu ces derniers jours et que bon, forcément il y a des flaques, alors c'est pas forcément facile de passer ailleurs. D'accord, ok. Alors, la version officielle, c'est ça. C'est officiel. Et voilà. Après, la version où tu as voulu juste t'amuser un petit peu non, dans les chemins. Non, l'officieuse, et... c'est qu'en fait, tu m'as dit de passer dans une flaque et tu m'as pas donné la vitesse. Donc après, voilà. Donc tu m'as décoré la moto et moi au passage. Voilà. Et puis en fait, si tu veux, le petit orange dégradé, c'est très très sympa avec le vrai marron de la nature réelle. C'est vrai. Donc pour faire découvrir mon kit déco, là au moins, ils verront bien les détails. Voilà, au moins tu es vraiment un in situ. Bon, alors explique-nous un petit peu, c'est quoi ta société? Parce que tu as ton t-shirt. Mais... Alors oui, j'ai mon t-shirt. Donc moi, c'est Sonia Barbeau Création Graphique. Hein. Donc je fais du graphisme essentiellement. Mm-hmm. Je sous-traite après tout ce qui est impression. Avec, je travaille depuis 2 ans avec Franck de Kitfun, Kitfun Déco. Et ça se passe super bien, ses produits sont top. Donc quand c'est top, moi je continue de bosser avec. Il est très très sympa. Et voilà, donc du coup après, on peut partir sur des projets totalement 100% personnalisés comme le tien. Ouais. Donc où moi vraiment je prends vraiment plaisir à travailler en échange de mails pour sortir une déco qui soit visible et puis voilà, actuelle hein, on a envie de dire, parce que forcément la R1200 elle est quelconque entre guillemets parce que c'est la moto qui se vend le plus, donc on avait envie de lui mettre une petite touche des rêves de Balou et je pense qu'on est plutôt pas mal. Là en l'occurrence si vous me remarquez pas, il y a un truc qui va pas, je pense. On est d'accord? Je pense. Alors comment tu travailles? Parce que nous, moi je le sais parce qu'on l'a travaillé ensemble. Mais si quelqu'un veut faire appel à toi, à tes services pour réaliser le kit déco ou pour après le monter. Donc ça dépend. Alors un petit oui, parce que je fais aussi la pose, même si voilà, c'est pas mon boulot à la base principale. Mais en fait, ils me contactent en fait sur les réseaux parce que voilà, je suis sur Facebook, Instagram, donc SBCG34. Hein. D'accord. Voilà, donc je remettrai le lien sur comme d'habitude sur le résumé. Le résumé, oui. Et donc en fait, on travaille ensemble avec le client par échange de mails jusqu'à ce que la déco lui convienne. Quand elle lui convient, ben je l'envoie directement régler son kit chez Kitfun et c'est Franck en fait qui envoie le produit, qui l'imprime d'abord, qui l'envoie au client à la fin. D'accord. Si jamais le client veut que je lui pose la déco qui est dans le secteur, récupère le kit. Secteur de Montpellier, Nîmes, enfin voilà. Après, si vous êtes de Paris, vous pouvez venir, hein, parce qu'il fait beau chez nous. Il peut venir de loin, mais bon, voilà. Après, moi, il faut que je garde la moto 2 jours, parce qu'en temps normal, ce qu'on n'a pas fait pour la tienne, non, ça a été compliqué. Je la garde 2 jours, parce qu'il faut à peu près 48 heures de sèche, de chauffe, et pour que le kit, en fait, il prenne sa place définitive, parce que la colle, en fait, il faut qu'elle vulcanise, pour éviter qu'elle se rétracte, donc on la chauffe 2 fois, et pour qu'elle prenne la place définitive, en fait. Alors, quand elle vous dit chauffer, c'est simplement sèche-cheveux, bien passer sur tous les espaces, tous les endroits où c'est bien collé, revenir sur les endroits où ça risque de se décoller. Et c'est vrai que je l'ai refait le lendemain et ça a été plutôt confortable. Mais bon, voilà, en l'occurrence, si tu avais peur de certains endroits, alors tu m'expliques, il y a des endroits où tu as un plastique un peu granuleux, tu avais peur que ça colle mal. Voilà, en fait, les plastiques un peu granuleux, bon, on a une colle qui est forte, qui est vraiment très bien, normalement, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai metté une petite réserve sur cet endroit-là, donc tout ce qui est le garde-boue, pardon. Le garde-boue, Le garde-boue, sachant que voilà, il prend la flotte, il prend l'eau, il prend les cailloux. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, il est quand même assez. Oui, il n'est pas protégé, c'est une zone qui est sensible, on va dire. C'est ça. Pour rester poli. Et donc, on en a parlé un peu du projet, et c'est vrai que suite à la mise en place de ce kit-là, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelques petits endroits que tu voudrais améliorer. Parce que ça, c'est aussi l'expertise de Sonia qui est sympa, c'est qu'elle a fait sa pose, mais pour autant, elle s'est dit, ah tiens, il y a un truc qui va mal là, ou j'aimerais bien agrémenter un peu plus l'arrière pour que ce soit plus visible. Donc ça, c'est un truc en plus. Donc justement, toi, sur ce modèle-là, qu'est-ce que tu feras en plus? Tu me l'avais expliqué un peu la dernière fois. Alors après, c'est des kits, venir, en fait, certains kits, c'est des kits en fait que je n'ai pas moi-même créés parce que je fais aussi le patronage d'une moto. Donc quand je ne les ai pas créés, je ne sais pas exactement comment ça va se poser. En règle générale, ça se pose très bien. Après, il y a peut-être des endroits ou des choses en plus à mettre. Voilà, le kit, il est prévu comme ça. Moi, personnellement, j'aurais rajouté une bulle et j'aurais rajouté un petit peu l'arrière pour que ça puisse compenser un petit peu la lourdeur de devant et que ça aère un petit peu sur l'arrière. Même si c'est une 1200 GS, on peut quand même affiner un petit peu le machin. Elle est très bien. Donc voilà, quelques petits stickers en plus. Donc on verra si on mettra ça en place un peu par la suite. Plus tard, tu verras ce que ça donne. Mais en tout cas,
Voilà, le kit en fait, il est imprimé directement sur un PU de qualité et on a en plus une lamination par-dessus de 438 microns à peu près, voilà, de crosse pour protéger, parce qu'à la base on est là pour décorer, pour se différencier des autres, mais on est aussi là pour protéger la moto des rayures, pas des shots, pas des grosses chutes ni des gros chocs, mais des rayures déjà ça fait quand même pas mal le taf. Hein. Merci énormément du résultat Sonia, parce que franchement ben, moi je suis vraiment ravi. J'ai hâte que vous le voyez en vrai et aussi que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensiez, pardonnez-moi. Et toi Sonia, donc encore une fois, si on veut te retrouver. Eh ben, si on veut me joindre, c'est très simple, c'est sur les réseaux sociaux. Donc tu as Instagram, tu as Facebook, donc SBCG34. Tu m'envoies un message privé et puis moi je réponds directement à tous tes projets, toutes tes envies. On va essayer de donner vie à tes idées. Oh la vache, elle a même utilisé son. Comment on appelle ça déjà ? Et voilà, une Jungle phrase, une Bref, merci encore à tous. Avec grand plaisir. Et à bientôt. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.